Bonjour, c'est Gilles sur Boursikoter.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 13 janvier 2016. Avec une séance qui va pour l'instant dans le sens d'une continuité par rapport à la séance précédente. Séance précédente où nous avons marqué ici une phase de hausse qui casse une dynamique baissière. La dynamique baissière qui porte les cours depuis ici cette séance du 30 décembre. On était ici sur une phase de baisse avec de nombreux points hauts qui venaient tester ici cette zone de résistance. Et hier donc on a cassé la dynamique de ce mouvement baissier puisque cette résistance a donc été cassée à la hausse, n'a plus été approchée depuis. Et donc ce qui nous dévoile pour aujourd'hui et donc depuis hier une nouvelle dynamique. Donc sur cette cassure ici on est venu marquer un point haut à 4430 points qui se trouvait sur une zone de résistance majeure puisqu'elle était renforcée ici par l'ouverture d'un gap depuis ce début d'année. Cette zone donc était en attente de cassure pour vraiment valider une poursuite du mouvement et c'est ce que nous avons eu aujourd'hui puisqu'aujourd'hui nous avons cassé cette zone ici les 4430 et que même si l'on regarde par rapport à la suite de la tendance où on est donc venu marquer un nouveau plus haut significatif du point de vue de la tendance court très court terme, eh bien nous sommes revenus ici sur cette zone des 4430 pour valider cette ancienne résistance comme zone de support. Donc on revient ici, on s'arrête et on commence à repartir, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Donc cette configuration nous permet de tracer ici une ligne de tendance qui nous donne un petit peu une idée de ce qu'est la dynamique court terme actuelle. Nous voyons bien qu'elle est haussière. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc le RSI qui est neutre, qui suit bien la tendance, et le stochastique qui en est de même. On a bien ici les oscillations qui collent bien par rapport à la phase de hausse, ainsi que le MACD qui nous donne donc pour les prochaines heures une poursuite du mouvement haussier, puisqu'ici on eut 15 minutes. Sur le contact de ce support, nous avons les histogrammes ici qui se retournent et qui nous donnent donc plutôt un signal de continuité. Attention toutefois, dès le début de cette dynamique, nous avons une divergence baissière ici sur le RSI. On voit bien sur cette phase un plus haut ici et un plus haut inférieur, alors que nous avons des plus hauts ici montants, un plus haut ici, un plus haut là. Et donc le fait d'avoir ici cette divergence, qui consiste à avoir des plus hauts qui montent ici et des plus hauts qui descendent sur l'indicateur, fragilise c'est la tendance qui plus est une tendance naissante. Et lorsque l'on regarde, on n'est pas loin d'avoir la même configuration sur le stochastique, même si celle-ci est beaucoup moins visible. Donc attention donc à cette petite phase d'affaiblissement. Pour, valider ou pas cette petite faiblesse, on a les zones horizontales qui viennent nous donner une confirmation dans le sens où tant que cette zone ici est 4430 que je viens de vous indiquer et dont on sait maintenant l'importance liée au gap notamment précédent, tant que cette zone tient ici sur cette phase, on est toujours sur une dynamique plutôt haussière qui sera validée sur une cassure haussière de cette zone de points haut qui se situe actuellement à 4466 points. Et si tel est le cas, nous pourrions aller rapidement vers la zone ici des 4495 points, qui est la zone majeure d'objectif de cette phase de rebond technique. Au-delà, on est sur des objectifs un peu plus moyen terme, avec notamment une zone ici 4575-80, mais il faudra tracer, le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu ce que nous donneraient donc les retracements par rapport à cette dynamique. Vous voyez que là, la première zone de cassure nous indique une cassure des 23,6. Là, on est en train de bien enfoncer le retracement des 38,2%. Si on continue et que l'on se retrouve donc sur un objectif à 4495-96 points, ça correspond à la zone des 50%. Et donc le test ici de cette zone, même s'il ne donne pas encore un vrai signal de retournement, serait déjà une première pièce à l'édifice d'un éventuel retournement haussier. Donc à la hausse, donc on surveillera 1. La résistance, le support non cassé de cette zone des 4430 points, et encore mieux, une validation par rupture haussière ici de cette zone des 4466 points. A l'inverse, si les cours venaient à repasser sous cette zone des 4430 points, on retomberait dans une phase de neutralisation entre 4000
350 et 4430 points. Zone de neutralisation qui ne serait pas de bon augure puisqu'on resterait donc sous une influence plutôt baissière pour ce qui est de la tendance un peu plus court-moyen terme, on va dire. Par contre, sur rupture ici de cette zone des 4356, on retrouverait un objectif à 4300 points qui remettrait un petit peu de pression baissière sur la tendance et donc sur la possible évolution future du CAC 40. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique en intraday. Alors pour la séance du jour, on n'a pas énormément de... statistiques, si ce n'est des chiffres donc d'inventaire du baril de pétrole. Vu le contexte actuel, effectivement, ça peut avoir son importance. Et puis, je vous rappelle que ce soir à 20h, eh bien, il y aura le beige book qui sera dévoilé. Donc attention, en fonction de, on n'attend pas une grosse volatilité ce soir, mais en fonction de ce qui sera dit, on pourrait avoir quelques petites agitations. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursikoter.com. Bonne séance à tous.